Bonjour Frédéric. Bonjour Fred. Quel souvenir gardes-tu de la participation à ta soirée La Toque et les Sportifs ? Alors, cette soirée remonte il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années. Je venais d'arrêter ma carrière au football club de Metz. Et ça m'a permis de côtoyer le grand nombre du monde du sport, que ce soit du football, automobile, rugby, enfin un peu tous les sports. Et puis de faire la connaissance d'un lieu où il y a un chef qui s'appelle M. Da Silva Philippe. Et ça a été une soirée mémorable puisque il y a eu beaucoup de dons qui ont été récoltés. Et puis c'est surtout cette participation, ce qui nous a permis de côtoyer ces sportifs et de côtoyer hors milieu du football et du sport. Et ça n'a pas de prix puisque on a pu se rendre compte que c'est très sympathique de pouvoir parler de tout, du sport et du milieu culinaire. Donc la restauration c'est quelque chose que j'apprécie et ça a été une soirée mémorable. Justement, ta rencontre avec le chef Philippe Da Silva ? Ma rencontre avec le chef, c'est quelqu'un de fabuleux, qui est passionné, qui donne tout pour son restaurant, pour sa passion, et on sent qu'il est dévoué, il est prêt à beaucoup pour satisfaire ses clients, ses invités. Et à partir de là, on passe une soirée exceptionnelle parce qu'il est quand même assez détendu. Même si quelquefois il y a un petit peu de pression parce qu'il faut emmener les plats et tous les plats d'un coup et d'un seul, mais c'est vrai que c'est pas mal géré, il y a une équipe qui tient la route et voilà, ça fait plaisir, c'est vraiment des soirées inoubliables puisque en plus de ça on mange très bien. Est-ce que depuis tu fais la cuisine à la maison? Ça m'arrive, tout à fait, ça m'arrive de cuisiner à la maison et d'autant plus que j'ai mes enfants, donc j'ai deux enfants qui ont 5 ans et 12 ans et je me retrouve à avoir la garde donc une semaine sur deux et obligatoirement je passe par la cuisine parce que je suis fin gourmet. Non, je suis pas fin gourmet mais bon, j'essaie de m'attacher à faire des petits plats variés et puis surtout appétissants parce que je sais que les enfants, ce que j'aimerais pas c'est que d'emmener mes enfants tous les jours un coup au McDo ou enfin, dans les fast food et les pizzerias ici et là, voilà, donc ça j'évite et c'est un plaisir. J'aurais aimé être vraiment plus doué, mais il faut du temps pour ça et j'avoue que le temps, je ne l'ai pas trop. Si tu m'invites à la maison chez toi, qu'est-ce que tu vas me préparer? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que je pourrais faire préparer des faritas. Faritas bœuf et poulet, parce que j'ai eu l'occasion à une certaine époque d'en manger des très bonnes pour tout le monde. Et voilà, donc je pense que ça, je maîtrise. J'ai eu une petite expérience aux États-Unis et je avoue que je maîtrise assez bien ce plat. Aimes-tu aller au restaurant et quels sont tes endroits préférés où tu te sens bien, où tu aimes bien aller dîner? Alors, les restaurants, bien sûr, j'adore les restaurants. J'y vais pas très souvent, mais quand j'y vais, c'est pour se faire plaisir, pour me faire plaisir, pour faire plaisir aux amis et à la famille. Donc voilà, j'ai pas d'endroit de vraiment bien précis. Si j'en ai un ou deux où je m'en rends plus régulièrement que d'autres. Mais j'essaie de changer justement pour varier un petit peu les goûts, varier un peu les arômes. Et c'est très important. Et, on peut manger dans un petit restaurant bar à vin très sympa. On peut aussi manger très bien dans un restaurant étoilé. Et au restaurant asiatique, ça peut être très intéressant aussi. Donc j'ai pas de lieu en particulier. Mais sinon, j'aime bien la cuisine, j'aime bien manger. Ça me joue à la bouche. Pour finir, Fred, ton actualité? Alors l'actualité en ce moment, c'est de... j'en ai plusieurs. Je suis consultant à OMTV, donc un peu déçu ces derniers temps, puisque ça ne se passe pas très bien au niveau de l'Olympique de Marseille. Et en parallèle, je m'occupe d'un club de jeunes au Racing Football Club de Toulon, là où j'ai évolué en étant jeune. Donc j'ai repris ce club et puis j'essaie d'inculquer un petit peu aux enfants ce que j'ai pu apprendre à l'époque. J'ai un peu de temps, j'ai été en retraite sportive il y a une dizaine d'années, donc ça me permet de m'occuper, d'essayer d'avoir avec mes éducateurs, d'essayer de passer du bon temps, de faire progresser les enfants, de faire plaisir. Et ensuite je suis un petit peu à la mairie du Revest aussi, en tant qu'élu.
Ça me fait pas mal de travail, j'ai pas beaucoup de temps, de libre, mais voilà, tout ça bénévolement, bien sûr.